Thank <music> you. Mes chers compatriotes, 2023 s'achève et à l'occasion de ces vœux, j'ai décidé d'innover et de vous dire la vérité. <laughs> non, je rigole. Je sais que le moral, c'est important. Je vais donc faire comme d'habitude. Tout va bien. Restez couchés, je gère. Chômage, inflation, précarité, insécurité ne sont plus que de mauvais souvenirs. Du coup, L'extrême droite s'est effondrée et notre belle dame, roc, dé, démocrat, frat, ah, ah, jamais euh, notre démocratie ne s'est jamais aussi bien portée. En particulier le 49-3 que je remercie ici d'avoir évité au pays de longs débats inutiles. Et de surcroît, tenez-vous bien, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Sur le plan international, comme prévu, l'économie russe s'est effondrée, son armée est en déroute et Poutine. Mes sous... chers compatriotes, 2023 s'achève et à l'occasion de ces vœux, j'ai décidé d'innover et de vous dire la vérité. <laughs> non, je rigole. Je sais que le moral, c'est important. Je vais donc faire comme d'habitude. Tout va bien. Restez couché, je gère. Chômage, inflation, précarité, insécurité ne sont plus que de mauvais souvenirs. Du coup, l'extrême droite s'est effondrée et notre belle dame... Dé, démocratie... Ah, ah j'y jamais. Euh, notre démocratie ne s'est jamais aussi bien porté. En particulier le 49-3, que je remercie ici d'avoir évité au pays de longs débats inutiles. Et de surcroît, tenez-vous bien, avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Sur le plan international, comme prévu, l'économie russe s'est effondrée, son armée est en déroute et Poutine souffre de trois cancers en phase terminale. L'Ukraine sera bientôt libre. Au Moyen-Orient, la clarté et la fermeté de mes positions ont ramené le calme dans toute la région. Plus un seul pays arabe ne me parle de ce conflit, pas un mot, rien. D'ailleurs, il ne me parle plus du tout. Comme Israël. Vous dire si la paix est bien là. Mais je ne suis pas là pour faire la liste exhaustive de mes triomphes. Reportez-vous à mes organes de presse favoris et ne vous laissez pas manipuler par cette presse indépendante qui se croit au-dessus de tout le monde au prétexte quelle enquête Un peu de modestie, messieurs, n'est pas parce pro qui veut. Mes chers compatriotes, c'est donc à la lumière de mon bilan exceptionnel que je vous souhaite une excellente année 2024 et à ceux qui n'ont pas de quoi finir le mois une excellente première semaine de janvier. Vive la République et vive la France